Amis téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Écho des Arts, bonsoir et bienvenue à notre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir sur notre plateau le Mr. King Haïti International qui répond au nom de Josué Alexis, à qui nous disons bonsoir, bienvenue sur le plateau, ça fait nous plaisir, Guillaume là avec nous. Bonsoir Madame Safi, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour moi participer à l'émission Invité de la semaine. Qui est-ce qui Josué Alexis? Non, pas moi, c'est Josué Ralph Maguiel Alexis, âgé de 25 ans, originaire de Pétionville. Mm-hmm. Moi, c'est un jeune étudiant finissant en génie civil, et un jeune talentueux, chanteur, et moi intéressé ensemble avec la mode et la danse aussi. Donc, je dis à vous-même qui participez dans le concours Mr. King Haïti International, comment vous avez fait entendre parler de concours ça? Est-ce que vous avez un secteur mode là déjà tout? Bon, pas vraiment. Le concours Mr. King Haïti International, là, c'est le premier PAM vers le secteur ça, la mode. Mais moi, j'étais toujours intéressé ensemble avec lui. Donc, j'étais habitué à chanter, participer, assister. L'autre concours qui fait dans le pays. Donc, moi, j'étais intéressé ensemble avec lui. Et il y a un jour que moi, j'ai rencontré Mr. Jonathan. Il était fait par deux concours. Moi, j'étais très intéressé. Et moi, j'ai participé là-dedans. Qui critère pour un jeune garçon est bien capable de participer dans le concours Mr. King Haïti International? Bon, critère de base, c'est faut pour pas marier. Il faut pour gagner 18 à 33 ans. Et puis tout, il faut pour. Bon, je pense que c'est critère ça. Comment le concours a-t-il déroulé? Le concours a déroulé très bien. Très bien. Donc, je l'ai dit. Mais de l'autre côté, il y a des petites difficultés. Il y a des petites difficultés, vivant avec la situation paysanne, les pour nous rencontrer, il y a des autres, tout ça. Mais nous été focus. Nous pas décourager, nous dit faut nous avancer et puis faut pour nous prendre pour les brillants et nous travailler, nous réussir. Je dis à une question de concours de beauté et qui plus gagne un projecteur sur question femme et concours de beauté femme, nous gagne Miss Universe Haïti, nous gagne Miss World et l'autre concours tout, tant que Miss Dream Haïti tout. En tant que un concours de beauté pour garçons, je dis à et Mr. King Haïti International, qui ça les gagne en plus de leur concours pour garçons? Bon, ça que moi remarqué de Mr. King Haïti International par rapport avec leur concours. Donc, Mr. King Haïti International n'est pas seulement un concours, mais il est capable d'utiliser en l'école. Tout. Parce que ce n'est pas seulement ça que vous gagnez, vous venez bailler, vous venez prouver. Mais ou recevoir tout. Donc, tout au long concours, nous recevoir pas mal de formations sur la mode, protocole, leadership et autres. Donc, moi, c'est que si en l'école, moi, apprendre en pile, avant que je arrive en finale, moi, apprendre en pile dans Mr. King Haïti International. Un jeune garçon qui a regardé l'émission là et qui peut être intéressé ensemble avec modèle de concours, ça, et pour l'avenir Mister. Même si ce n'est pas dans Mr. King Haïti International, pour devenir un Mr. Qui ça vous pensez que tu as supposé gagner comme cheval de bataille? Premier bagage là, c'est quoi l'entête tout. Deuxièmement, il faut pour gagner une bonne conduite. Je pense que ça. En après, donc, mettez talent en évidence, capacité augmenter au plus, et puis tout, pour avancer. Je pense que les critères de base ça. Et nous avons Josué Alexis qui lui-même avant Mr. King International et nous avons Josué Alexis après Mr. King Haïti International. Est-ce qu'il y a une différence entre deux Josué ça? Oui, je suis capable de dire une légère différence parce que après concours, à travers ça que moi apprends, à travers ça que moi emmagasiné, il y a certaines choses moi pensé d'une autre façon. Certaines choses de la vie, je pensais qu'il y a une autre façon. Donc, je pensais qu'il y a une légère différence qui est faite entre Josué avant Mr. King et Josué après Mr. King.
Mr. King, Haïti International, qui ça allait impliquer? Est-ce que c'est seulement un écharpe, un couronne, en tant que vous mettez sous tête comme moi, et puis d'être, ou bien gagner un autre travail après qui doit continuer? Bon, oui. Mr. King, Haïti International, lui-même, depuis que vous entrez là-dedans, vous vivez parmi top 3, c'est tant que vous une famille. C'est tant que vous une famille que vous intégrez. Donc, suivi que qui gagne, il y a premièrement un monde qui est Mr. il a préparé, il a continué de travailler avec lui pour lui représenter valablement de tous côtés. Il a un concours international. Et l'autre monde tout qui est en concours, qui était année ça ou année qui passait, depuis que tu es arrivé dans le top 3, ou tu as aimé participer dans l'autre concours, ou tu as aimé participer dans d'autres choses. Staff ça lui-même il là pour lui accueillir aux bras ouverts et deux dans accompagnement que vous gain pour faire dans accompagnement ça vous gain pour faire avant même que Mr. King Haïti International parle nous plus de projets que lui-même il gain en tant que Mr. Haïti International 2022 nous même à travers émission Écho des zones n'a pas invité au suivre un reportage que Kizza Isaac lui-même il prépare pour nous en suivre l'Éternel Jéhovah Dieu de toute la terre. Jeff Mod Agency, c'est une agence mannequinat qui a bail service li sur territoire national là depuis que tant dans affaire la mode. Dans l'idée pour faire promotion pour jeunes garçons qui mannequin, li organise un concours qui porte nom Mr. King Haïti et International. Anissa, concours si là t'est réalisé en baptême et mon les valeurs d'Haïti. Six postiles ont été arrivés dans la phase finale pour toquer Konyo pour remporter grand titre Mr. King Haïti et International 2022. Plusieurs jeunes artistes ont fait déplacement pour venir distraire le public là avec plusieurs qualités chorégraphiques. D'après organisateur yo, ça pas facile pour yo té arrivé prendre une initiative comme ça. Habituellement, concours fashion qui qu'on organise yo, c'est pour mettre filles en valeur. Pendant yo estimé, gen pile jeunes garçons qui disposé pour mettre capacité yo en valeur dans domaine la mode pour utile pays a. Dans sens ça, Joe responsable agence ça a expliqué différents critères qui gagnent pour un jeune garçon qui arrivé participer dans concours là. Faut qu'ou pas marié, faut qu'ou gagne 18 jusqu'à 33 ans, faut qu'ou pas vivre dans concubinage si me capable dire comme ça. Faut qu'ou c'est haïtien natif natal, même là tu voyager sous voulez rentrer pour participer dans concours OK nous accepter. Critères encore donc faut qu'ou pas en prison déjà pour t'as dit l'état t'as cherché donc c'est ça qui critère de base là. Formation que tu recevoir yo c'est pas une formation complète mais y a bien pour suivre formation et puis chercher des débouchés pour yo et chercher des cadeaux pour yo tout nous toujours comme si gain tendance comme si valoriser mesdames yo toujours penser que c'est mesdames yo qui capable faire toute bagaille nous même moi et Joé donc nous te veut faire connaître que garçon yo mérite yo place yo tout dans société a. Nous t'ai envie faire et concours avec filles mais nous t'ai dit pourquoi pas avec monsieur yo. Parce que monsieur yo toujours timide mais si nous faisons concours avec monsieur yo, nous pensons que li t'a réussi. Jeune ça qui arrive à remporter grand titre Mr. King Haïti International 2022 exprimer contentement et satisfaction pour victoire ça. Pendant la encourager jeune dans pays a pour être focus sur objectif yo avec un pile enthousiasme c'est avec un pile émotion donc concours ça lui-même m'a remporté grand titre là jodi a donc moi senti moi fier ça veut dire un pile bagaille de pour capable ou privé de pour vouloir ou privé donc concours ça lui-même il était gagné des hauts et des bas
te gen pile difficulté. Vi ensemble avec situation paysan, gens que nous connaît que situation a dégénéré actuellement là. Donc te gen pile jour pour nous te réunir, c'était toujours problème. On t'ai rencontré en pile difficulté, mais on pas traité. On t'ai toujours été positif. Donc on pas camper, on t'ai dit faut que moi avancer. Donc but moi c'est pour me remporter couronne. M'a encouragé toute jeune dans paysan qui gen un talent, qui gen capacité. Pas quitter timidité en vaillou, pas quitter moun kap di ou ko pa capable. Donc ou vle réaliser un bagay, persévérer la dan. Malgré mauvais moment pays a traversé, plusieurs stricti pas suspend créer activité côté jeune yo ka mette tête yo en valeur. C'est un moyen qui montre à clair espoir qui gagne pour pays d'Haïti ka évoluer sin ka kwè responsable. Josué Ralph Magliel Alexis, Mr. King Haïti International 2022, qui projet que vous-même vous gagnez? Ok, nous gagnons pas mal de projets qui sont en cours. Nous avons fait part de Youn dans le final concours. Et je dis à la projet que moi gagne qui à court terme, que m'a présenté public là. Donc c'est un projet d'aide ensemble avec parents qui ont des difficultés économiques pour voyer petit yo l'école. Donc nous travaillons de concert ensemble avec l'école qui c'est l'école Mix Emmanuel située à Gérald Bataille pour plus précisément Claircine 2. Projet A, c'est un projet de demi-bourse. C'est avec ça que nous commençons. Ensemble, nous gagnons des personnes que nous mettons bien spécifiques pour chercher réellement parents qui ont des difficultés, parents qui sont dans le besoin vraiment. Donc, nous sommes venus ensemble avec un programme de 50 demi-bourses que nous avons offert aux années. Donc, la fenêtre ça lui-même était fermée avant fin août. Pour arriver septembre. Donc jeudi à là moi gagne chance pour participer là émission dans émission et moi gagne oreille peuple là dans mes moi parce que gagne pile monde qui intéressé cap garder moi là actuellement là donc moi ouvre fenêtre ça pour moi faire part de programme ça lui-même. Donc c'est un demi-boost pour aider parents qui ont des difficultés. Est-ce qu'on est capable de parler nous de un projet long terme que Mr. King Haïti International gagne? Bien sûr. Nous avons un projet qui est en construction, une scène musicale dans le pays. Donc, c'est un projet à long terme. C'est un projet ça que nous avons bâti dans le final concours. Donc, pour qui ça projet ça? Projet ça lui-même, nous avons gardé que nous avons depuis les Haïti lui-même. Li existe, ma jam gen yon scène musicale nan peyi. Bien que gen kote ki fè an pil efòr pou deservi populasyon, atisyon, tout sa, men nou pa personalize, men kote sa ou men yon pare pou ansanm avèk kriter ki internasyonal mande ki reji ansanm avèk yon scène musicale. Alò nou te vle vini ansanm avèk proje sa, an konstruksyon scène musicale, donc pou mete sektè sa li men nan ambyansan qui normal. D'accord. Je dis à la, il y a un jeune garçon qui a regardé émission ça et qui était toujours envie participer dans modèle concours Mister yo et qui malheureusement peut-être à sa société a dit qui conseille que vous portez pour jeune garçon ça qui lui-même qui a regardé. Non, conseil que moi capable porter quoi en tête nous toujours été focus. Les talents que nous gagnons là, c'est essayer de développer, participer dans des activités que nous connaissons, cap développer talent ça et cap faire nous rester dans la même lignée ça. Les nous sur internet, parce que nous la majorité là nous y a accès ensemble avec un smartphone, parce que smartphone ça lui-même nous capables d'utiliser pour nous rentrer l'argent, nous capables d'utiliser pour nous développer capacité intellectuelle, nous talent, nous tout ça. Abonner ensemble avec des channels YouTube, abonner ensemble avec Facebook, donc qui régit ensemble avec talent ça que nous gagnons là, pour nous être capables de développer plus.
Eh bien, je dis à vous-même, Josué, Ralph, Magliel, Alexis, nous allons nous voir sur l'échelle internationale bientôt, sûrement. Bien et bien, nous souhaitons succès. Parce que le public est capable d'aller suivre la page Mr. King Haïti International, qu'on est capable de toujours être connecté et qu'on est qui ça qui a fait qu'il que Josué lui-même a gagné une chance pour capable à le représenter pays à une sous-échelle internationale. Et bien sûr que Jean-Noël Remedio, c'est vous-même où c'est sponsor numéro un. Allez, by vote et allez encourager avec commentaires, des likes, tout ça. Et nous, bien sûr et certain que Yona Mr. Nuyo a gagné pour. Capable ou venir sortir à l'étranger ensemble avec couronne échoppe de un concours international puisque ça pour qu'on fait c'est ça que nous souhaitons et pourquoi pas Josué qui peut-être lui-même qui a fait nous honneur ça venir avec un titre international pour nous. Merci Josué de ce côté permettre que nous capable faire causerie ça nous souhaiter revoir encore avec échoppe international là et n'a dit merci tout ou même qui t'a suivre émission ça c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter bon détente ça pour nous-mêmes merci à bientôt.